Déjà, laissez-moi rentrer, ça serait une bonne chose. Passer la journée dans un hôpital psychiatrique, oh, c'est l'enfer. Oui, je sais, mon Dieu, tous les dimanches, jusqu'à ce qu'ils comprennent comment on utilise le système. D'hypnose sur une personne qui a un trouble comme le sien. Ah ben, il y a du résultat, ça commence. Trois rendez-vous, elle ne fait pas de crise, elle se sent beaucoup mieux, elle n'a plus du tout d'envie suicidaire, elle n'entend plus du tout de voix. Ben, les mercredis, je relance l'hypnose par téléphone. Donc, du coup, ça permet d'équilibrer, deux fois dans la semaine. Oui, ça y est, il y a l'hypnotiseur qui est venu, l'hypnothérapeute. Normalement, ça se dit un hypnotiseur, sauf qu'on dit hypnothérapeute, puisque tu soignes une maladie par l'hypnose. Et si je veux, je peux utiliser l'hypnose, mais pas pour soigner, par profit. Voilà, à un moment donné, non, un hypnothérapeute, c'est de la thérapie par l'hypnose. C'est pas comme tu vas voir un hypnotiseur. Un hypnotiseur, un hypnothérapeute, c'est pas la même chose, mon codex. Non, parce qu'il y en a un qui est déclaré comme étant un véritable métier parce que tu travailles dans un domaine médical, et l'autre, l'hypnotiseur, qui est celui qui est en libéral mais qui n'a pas les compétences médicales. Voilà, ça veut dire que moi, je suis pas une hypnotiseuse, je serais plutôt une hypnothérapeute. C'est ça, mon Dieu. Pas bien. Ah, tu l'as ressenti? Non mais c'est invivable là-bas. Oh, comment, mais il y a des pensionnaires qui peuvent vivre dans ces conditions? Comment les médecins peuvent travailler dans ces conditions? Ah mais chaque fois que tu y vas, chaque fois tu en prends conscience. Ah, faut aller dans ce genre de trucs pour comprendre. Eh non, pas en tant que patient. Justement, en tant que patient, tu peux peut-être pas prendre conscience réellement de ce que c'est. Non, non, côté médical. Côté personnel médical, voilà, pas côté personne hospitalière. Là, c'est pas la même chose. À une personne hospitalisée, elle a un séjour en enfermement. Mais les infirmières, les médecins, le personnel, mais il est de la même manière enfermé, en vérité. T'es enfermé dans ça, tu sors le soir, t'es complètement cinglé. Alors, l'hypnothérapeute m'a dit qu'il avait compris la méthode, mais que c'était pas encore ça. Ben, qu'il a compris la méthode, mais que pour encore la pratiquer, ça allait être compliqué. Et parce qu'il n'a pas l'habitude de cumuler un traitement médical et faire en sorte de gérer les crises. Il m'a dit, ça, on n'est pas habitué à faire ça. La méthode, il est hypnothérapeute comme moi. L'un comme l'autre, on est mis à même égalité dans notre domaine. Lui est réellement médecin, moi j'ai les capacités et les qualifications pour pouvoir l'être, je n'ai pas l'étude pour pouvoir le faire. Donc techniquement, ce n'est pas moi qui vais devenir professeur d'hypnothérapie. C'est ces deux-là, ces deux frères qui vont se démerder après. Plus vite je me barrerai de là-bas, ça veut dire plus vite j'aurai réussi ma mission. Putain, transmettre ce savoir-là qui est perdu depuis la nuit des temps. Même un hypnothérapeute me dit, mais on n'a jamais appris à soigner de cette manière-là. Il m'a dit, mais en fait, c'est de l'influence. T'as tout compris. Ah, j'influence complètement son esprit. Mais au fur et à mesure, je retire mon influence en lui laissant la sienne. Donc c'est après elle qui utilise l'hypnose sur elle-même, auto-hypnose. Il m'a dit, je connaissais l'auto-hypnose, mais pas pour des troubles mentaux. Eh bien oui, à un moment donné, quand tu as une maladie neuro-cérébrale, ben oui, à un moment donné, c'est ça.
Ils n'arrivent pas à comprendre que, justement, l'hypnothérapie permet de te contrôler au quotidien. Quelqu'un qui n'est pas malade n'a pas besoin de ce contrôle au quotidien. Par contre, quelqu'un qui est malade va devoir appliquer l'auto-hypnose jusqu'à la fin de sa vie, puisque c'est elle qui va devoir contrôler sa maladie. Ce n'est pas un traitement qui va devoir le faire à sa place, ni un praticien. C'est elle toute seule. Un jour, il va falloir qu'elle vive seule, qu'elle vive en couple, qu'elle ait, voilà, une vie. Dans ces cas-là, il faut la préparer à ça. Donc, il faut la mettre sous endoctrinement et inverser les rôles pour qu'elle s'endoctrine elle-même par la suite. Il m'a dit, on n'a jamais utilisé cette technique-là. J'en ai jamais entendu parler, il a dit l'hypnothérapeute. Hein. Et il a été halluciné. Alors là, j'ai laissé, non, non, j'ai laissé mon templier se charger de lui expliquer comment je sais tout ça. Non, mais moi, il a vu ma tête, il a dû se dire, oh, elle va pas rentrer dans des explications maintenant, surtout pas ici, parce qu'elle est déjà en train de serrer. Ah, je prends sur moi. Ah, ben oui, je prends énormément sur moi, puisqu'on ne voit pas du tout mon stress, on ne voit pas que je suis en train de péter un câble d'être dans ce truc-là. J'essaye de faire extraction complète, parce que si je suis énervée, techniquement, ma patiente le saura aussi. Ah, ben, schizophrène, c'est ça, hein? Ton stress peut déclencher en lui une crise. C'est pour ça qu'il doit contrôler son stress, contrôler ses visions, contrôler ses nerfs. C'est un contrôle permanent. Ah, elle a bien compris, oui. Oui, je lui ai dit de toute façon, toute ta vie, tu auras peut-être besoin d'un traitement en cas de crise par la suite. Et tu auras besoin de l'hypnose et de l'auto-hypnose jusqu'à la fin de tes jours. Mais le traitement, tu n'auras plus besoin de le prendre tous les jours. Ça sera qu'en cas de crise où tu n'es pas capable de gérer et où tu n'es plus capable de contrôler avec l'auto-hypnose. Là, tu as le temps que la crise est déclenchée, de prendre ton traitement pour pouvoir arrêter le déclenchement de la crise. Ça, c'est quand ton esprit n'est pas assez fort. Le traitement sert à ça, à pallier ce que ton cerveau n'arrive pas à faire. Mais ça ne doit pas remplacer le travail fait par le cerveau. C'est ce que je lui ai fait comprendre. Il m'a dit, j'ai jamais entendu parler d'une technique pareille. On n'a jamais développé ce côté-là. Mais c'est vrai que tu as totalement raison. Si on n'apprend pas les gens à se contrôler, à contrôler leur maladie, mais ils ne seront jamais guéris. Mais ils ne pourront jamais guérir. Je le regarde en lui disant, il me dit, oui, mais ils peuvent avoir une vie normale. Ah, mais il est comme moi, elle est jeune, elle est magnifique, hein, et elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Eh, j'ai qu'une envie, c'est de la voir sortir. Mais pour ça, il faut un long parcours pour elle. Eh, la mienne, elle a quand même mis 2 années complètes avant de reprendre une vie normale. Mais quand elle rentre en crise, elle utilise l'auto-hypnose, et si ça suffit pas, elle prend son traitement. Voilà. Mais elle sent arriver ses crises, elle sent son état émotionnel changer. Je lui ai appris à décrypter tous les signes. Ah, ben sur la conscience, il est resté halluciné. Parce qu'elle n'est pas plongée dans une hypnose normale. Elle reste là. Elle a les yeux ouverts, elle est là en train de me regarder, donc voilà, elle tombe pas endormie comme tu vois dans les films. Non, non. Mais c'est son cerveau que je travaille et elle se met à répéter et tout le reste, c'est de la répétition. Je remets son cerveau en ordre. Eh bien, il vient le week-end prochain. Ah ben, il est plutôt très intéressé à développer cette pratique. Il m'a dit, putain, si on aurait su ça depuis le départ, on n'aurait pas galéré avec tous ces patients. Hein. On n'avait pas de solution, à part le traitement. Sauf qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à prendre un traitement toute sa vie. Mais si on lui apprend à gérer sa maladie, ça réduit le risque. Merci, voilà, t'as tout compris. Ça n'empêche pas le risque d'une crise.
Puisque si la crise commence à être déclenchée, elle va devoir le ressentir et prendre son traitement pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir calmer cette crise et que ça ne se développe pas. On lui a alors, il voulait lui baisser le traitement, je lui ai dit non. Il me dit, mais pourquoi? Parce qu'elle n'est pas prête. Ça fait que 4 séances. Au bout de 4 séances, déjà non, c'est la mise en place, ça, je lui ai dit. Après, le plus gros du travail vient sur l'année qui va suivre par la suite. Là, c'est le contrôle de son esprit. Il faut 1 mois pour que j'arrive à contrôler son esprit complètement. À partir de là, il va falloir commencer à travailler différemment. Alors, mon psychiatre, il a dit, moi, je ne sais pas l'utiliser, mais par contre, vu que maintenant, on a quelqu'un qui pourra l'utiliser au sein de mon établissement, c'est pas mal. Et lui, comme il est présent au rendez-vous, au moins, ça lui permet de voir l'état du patient, lui, il contrôle. Mais au moins, il sait ce qui est fait sur ses patients. Il est présent. Hey, j'ai 2 personnes derrière moi, je suis assise sur une chaise devant ma patiente. Avec les 2 derrière en train de regarder, d'écouter et d'enregistrer. Ah ben, je l'ai vu avec le magnéto. Ah, il a enregistré toute la séance. Il m'a demandé s'il pouvait, je lui ai dit, c'est pas à moi qu'il faut demander, c'est à la patiente. Il m'a regardé les yeux écarquillés. Eh ben oui, à un moment donné, c'est pas moi que tu filmes, hein. C'est pas ma séance, c'est la séance de cette patiente, hein. Tu dois lui demander son accord d'abord pour pouvoir filmer. Ou pour pouvoir enregistrer. Voilà. Et je le vois avec son magnétophone là. Il m'a dit, mais c'est pour comprendre ce que tu fais, c'est pour étudier. Je lui ai dit, oui, mais c'est le patient à donner son accord. Je lui ai dit, je suis pas médecin, moi. Hein. Si t'as pas l'accord du patient. Je suis désolée, mais je ne peux pas t'autoriser à filmer, ni à enregistrer. Je suis pas médecin. Non, mais sur le coup, il m'a demandé quelle étude j'avais fait. Je lui ai dit aucune dans la médecine. J'ai même pas fait une demi-journée, même pas 1 heure, même pas 30 secondes, même pas 1 minute. Donc voilà, de cours de médecine. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il fallait qu'il se démerde à lui expliquer tout ce qui se passe parce que non, j'ai pas le courage. Oh, j'en ai marre de me répéter qui je suis, quels sont mes dons et tout le reste. Je suis pas fan, moi, de ce côté-là, en vrai. Mon Dieu, je suis pas à l'aise avec tout ça, en réalité. J'ai l'impression d'être surnaturel, d'être un truc qui devrait jamais exister. On me demande d'où j'ai tout ce savoir-là. Il m'a demandé si j'avais étudié dans des livres. Je lui ai dit, j'ai jamais ouvert un seul bouquin en médecine. Il est resté sur le qui. Il m'a dit, t'es une HPI. Voilà, il a tout compris. Je sais, je sais, je sais. C'est pour ça que plus vite ils apprendront cette technique, plus vite ils pourront la transmettre en retour et plus vite j'aurai plus besoin d'y retourner là-bas. Et plus vite la patiente sortira. Tout le monde dit gagne à la fin, c'est ça, t'as tout compris. Ben moi je serais arrivée à transmettre la technique d'auto-hypnose et d'hypnose qu'il faut pour ce genre de maladie. Donc après, ils n'auront plus qu'à s'entraîner, à s'appliquer, à appliquer la méthode. Non, je craque, je craque. Non, mais je vais éclater de rire dans pas longtemps sans aucune raison. Tu le sens venir, je sais. Non, mais je crois que c'est nerveux chez moi. Ça attaque mon système nerveux, cet établissement. Être enfermé avec des fous, honnêtement, quand tu sors, t'es aussi folle qu'eux, je sais pas comment ils font pour travailler dedans. Je tiendrai pas longtemps. Il y en a qui passent le dimanche en famille, ou à aller faire un tour en bord de mer,
Moi, c'est dans un établissement psychiatrique pour pouvoir apprendre une technique de psychiatrie pour soigner ben, les grosses maladies, schizophrénie, troubles borderline, troubles bipolaires. Donc voilà, et même l'hypnose peut même être utilisée sur des enfants autistes. Ça permet d'équilibrer l'autisme. Je sais, j'ai vu ça dans le manuel d'utilisation de la technique dans ta mémoire. Ouais, je l'ai ouvert qu'une fois, ça m'a suffi à savoir ce qu'il fallait faire. Ouais. Ok. Attends, doucement, doucement, parce que là, j'ai encore la tête là-bas, j'ai pas la tête ici. Non, pas besoin de les noter, c'est bon, je les ai en tête. Oui, mais j'imagine, il y a encore une nouvelle catastrophe naturelle qui va nous tomber dans la gueule. Bon, pas en France, mais il va falloir que je... Non, ça serait en France, je le ressentirais à l'intérieur moi-même. Ah, je suis tellement liée à la France que s'il arrive un problème en France, directement, je le ressens. Par contre, là, je sais pas, c'est... Brésil, Argentine, Chine. Ouais, c'est sur le côté droit d'une carte du monde. Mais après, j'arrive pas exactement à situer où. C'est pas la faille, ça. Non. Tsunami, tremblement de terre. Eh, peut-être tremblement de terre, c'est ça? Ben, j'ai l'élément vent et l'élément terre. Non, pas de feu ni d'eau. Mais il y a une double symbole de terre. Ah, il n'y a pas deux symboles. Attends, redonne-moi les symboles. Un séisme. Oui, il y a qu'un symbole terre. Ah, mais je t'ai dit que j'étais pas totalement là. Donc un séisme. Un tremblement de terre qui va encore faire des victimes quelque part hein, sur le côté droite de la carte mondiale. Donc j'imagine non, côté Chine, Japon. Corée, Turquie, Syrie, vers là-bas quoi. Là, il va falloir que je revoie toutes les données, que je fasse les calculs et que j'arrive à situer. Non, là comme ça, non, il va falloir que je fasse tous les calculs pour avoir exactement la zone, la localisation. C'est dur. Et, non, mais je comprends pourquoi il y a aussi peu d'embauches dans les hôpitaux psychiatriques. Faut être kamikaze pour travailler dans ces conditions, en vrai. Et ils sont pas suffisamment payés, ils sont en sous-nombre. Mais qui a envie de s'enfermer toute une journée dans un hôpital psychiatrique, sachant que les patients ne sont même pas contrôlés, ils sont abrutis de médicaments toute la journée? Parce que c'est la seule manière qu'ils ont pour le moment de les maîtriser, par la prise médicamenteuse. Moi, ma technique combine prise médicamenteuse et hypnose. Donc au final, elle aura toujours le traitement, mais en cas de crise. Et à côté de ça, elle a toujours l'hypnose, et si ça ne suffit pas, elle a le traitement. Il y a une égalité entre traitement et cerveau du patient.
C'est pas le médicament qui contrôle le patient, c'est le patient qui se contrôle et qui prend son médicament quand c'est nécessaire. Donc c'est un patient qui anticipe son état émotionnel ou psychologique.